Bien, donc je continue dans la manipulation des images. Ici, avec la flèche noire, je vais double-cliquer sur l'image. Je suis donc descendu au niveau du contenu. Dans le bloc conteneur, je suis descendu au niveau du contenu. Et si je prends maintenant l'outil de transformation manuelle, je peux transformer l'image à l'intérieur de son bloc. C'est-à-dire qu'avec une poignée du coin et la touche majuscule, je peux redimensionner l'image à l'intérieur de son bloc. D'accord, vous êtes au niveau du contenu, vous avez le cadre brun qui apparaît, vous activez l'outil de transformation manuelle, vous prenez une poignée du coin avec la touche majuscule enfoncée pour garder les proportions et vous pouvez donc modifier la dimension de l'image dans son bloc. Donc il faut double-cliquer avec la flèche noire sur le bloc. Alors, je vous montre que avec l'outil de transformation manuelle, et si j'utilise majuscule et Alt en même temps, ça redimensionne par le centre. Donc l'image reste centrée là où elle est. Et c'est peut-être plus facile. Donc c'est majuscule Alt en prenant les poignées du coin. Alors oui, en effet, avec la flèche noire, si vous enfoncez la touche Alt et que vous bougez l'image, vous avez fait un duplicata. Donc, touche suppression. Donc, c'est bien le double clic sur l'image et outil de transformation manuelle, Alt, majuscule. Ben voilà, au niveau de la manipulation de l'image, on a vu un peu tout, je pense. Hein. Le recadrage. Le redimensionnement de tout, donc le conteneur et son contenu. Le redimensionnement uniquement du contenu, c'est ce qu'on vient de voir. Et ça, c'est pas si évident que ça pour ceux qui démarrent dans InDesign comme ça, qui essayent, ils n'arrivent pas toujours à trouver les choses. Alors, si vous zoomez sur l'image, est-ce que vous remarquez que la qualité n'est pas très bonne en fait ? On dit que c'est pixelisé, en fait. Hein. C'est une qualité qui n'est pas très photographique. On voit clairement les éléments constitutifs des images, les pixels. Et donc, InDesign, pour libérer de la puissance informatique, pour pouvoir faire des documents complexes, il ne vous montre pas l'image vraiment haute définition. Mais vous pouvez la demander si vous voulez. Pour des petits documents comme des brochures, ça peut passer. Hein. C'est pour des documents plus complexes que ça va commencer à devenir lourd. Alors, pour demander que les images s'affichent avec toute leur qualité, vous pouvez aller dans le menu Affichage, Performance d'affichage, et vous demander Affichage de qualité supérieure. Donc, menu Affichage en haut de l'écran, Performance d'affichage. Affichage de qualité supérieure. Voilà. Bon, il est possible qu'elle soit un peu meilleure dans Photoshop encore, mais déjà là, ça devrait améliorer les choses. Parfois, ça n'améliore pas. Parfois, l'image ne s'améliore pas. Mais de toute façon, à l'export PDF, dans le PDF, elle sera bonne. Même si en demandant affichage, performance d'affichage de qualité supérieure, vous ne voyez pas de différence, elle reste pixelisée, il est possible que dans le PDF, pour l'imprimeur, elle soit en bonne définition. Comme vous la voyez dans Photoshop, en fait. Bien.